Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du Warthogs. On va continuer notre péripétie. On est recherché par la garde. Il s'est passé une ou deux journées, honnêtement, je crois. Pas plus. On n'a pas fait grand chose. Alors, par contre, j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent parce qu'il y a ça. On a pris des ventes des marchandises augmentées de 15%. Donc, comme j'avais montré, j'avais fait des sauces. Pardon, des saucissons. J'arrive déjà à plus formuler mes mots, c'est magnifique. On avait fait des saucissons aux graines. Et j'ai pris les délicieux, donc 15%. Honnêtement, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent. Surtout que, comme j'ai dit, on peut entreposer les choses. Donc là, j'ai revolé en fait de l'argent. Et on est à 161 lin. Et je crois que quand on va donc du coup à un marchand... on le vend encore plus cher. À un moment, j'ai vendu des choses pour une mission, hein, tout ça, entre en fait, de l'échange entre les villes. Je crois que la mission, c'était 500 déjà. Et j'en avais déjà en fait récupéré précédemment, parce que des fois, ils vous en demandent genre 3, et nous, on en vole 5, donc du coup, on en a 2 drabés. Et tout ça, et du coup, j'ai tout vendu d'un coup, et je crois que ça m'a donné 2200 en tout. Plus la récompense de la mission. Donc ouais, honnêtement, c'est vraiment, comme j'avais dit, hein, c'est le meilleur moyen de faire de l'argent, ce système-là. Genre, en très peu de temps, j'ai fait un aller-retour dans une de... Je crois que je suis même allé vers Corsia. Et j'ai fait genre trois échanges et j'ai récupéré genre 5000. C'est abusé, quoi, c'est abusé. Donc ouais. Aussi, au passage, sur la carte, vous avez vu qu'il y a des points d'interrogation maintenant à certains endroits. Il y a des points d'interrogation. Je crois que ça, on l'a eu juste à la... Enfin, pas vraiment au dernier épisode, mais en fait, après avoir dormi, je l'ai eu. Donc, en gros, quelques jours plus tard, quand on a fait le premier... Donc, au final, les points d'interrogation, c'est ça. C'est des terrains de roost, en fait. Donc, j'imagine que... Et ça n'existait pas aussi en early... J'imagine que quand on a fait notre terrain de roue, ça a dit à un moment que vous avez débloqué en fait d'autres endroits. Et dans l'early, en fait, ça, il n'y a jamais eu d'autres endroits en fait. Il n'y a pas d'autres terrains en fait. Mais là maintenant, oui. Donc j'imagine que quelques jours après, des terrains apparaissent un peu partout. Quand j'ai vu des points d'interrogation, je me suis dit, ah mince, il faut que je le montre en vidéo. J'espère que c'est pas un truc secret et tout ça. Mais au final, c'est juste des terrains de roost, donc y en a un peu partout. Apparemment, il y en a dans chaque région, je crois. Genre un là, un ici que j'ai vu. Est-ce qu'il y en a un dans... Ah, il y en a un ici aussi. C'est intéressant. Peut-être qu'on va combattre... Enfin, on va combattre. On va affronter les équipes en fait des zones. Genre par exemple, là, ça va être des sauvages et tout ça. Y en a un ici aussi. Il y en a d'autres où aussi. Enfin voilà, donc on pourra faire ça aussi en deuxième temps, c'est plutôt cool. Aussi, donc j'ai changé, alors je vais vous montrer, donc on a Ordé Odéleuse que j'ai monté parce qu'elle a bénévole et affranchie, et elle est niveau 11, elle demande que 19 de solde, donc c'est vraiment vraiment bien, parce que quand on regarde les nôtres, hein, c'est 40. J'avoue que honnêtement... Bénévole, c'est quand même pas mal. C'est quand même sympathique. Après, comme j'ai dit, on n'a pas vraiment besoin d'argent. Hein. Faut l'avouer. Mais c'est pour dire. Mais Odéleuse, en fait, est extrêmement pétée, du coup, parce qu'elle est niveau 11. Et sur le coup, j'avais pas pensé à ça. Mais on peut lui équiper les nouvelles armures. Donc, j'en ai fait une. J'ai fait l'armure de plaque d'acier en acadien. Acadien, parce que de l'acadien, ça fait un peu bizarre. Donc cette armure est un mariage réussi entre l'acier d'Acad et l'artisanat des 5 royaumes. 493 d'armure avec les renforts supplémentaires. J'ai ça et j'ai aussi un bouclier que j'ai pas mis mais j'ai testé. On arrive à 67, je crois, de garde en tout, avec 600 et quelques d'armure. Et aussi, du coup, vu qu'elle est 11, alors le bouclier, je ne l'ai pas changé. Le bouclier, c'est le dernier que j'avais montré. Après, j'ai voulu faire une arme. Alors, j'ai un peu hésité. Je me suis dit, ou je prends une arme qu'on a déjà, mais qui est niveau 8. Mais après, je me suis dit, bon, pourquoi se faire chier avec des armes niveau 8 plutôt prendre un truc qui... Enfin, qui demande, en fait, d'être niveau 8. Pourquoi pas faire une arme qui demande d'être niveau 11, quoi. Donc, le nouveau tiers au-dessus, en fait, des armes. Et j'ai eu de la chance parce que ça fait une 3 étoiles. Donc, je crois que j'ai eu assez de chance avec ça.
avec les tempes, ça a bien fonctionné. Mais honnêtement, vous n'avez pas besoin que d'avoir les tempes. Hein. J'ai déjà fait les 3 étoiles, genre comme ça, sans rien. Mais c'est extrêmement rare, évidemment. Donc du coup, c'est tombé sur ça. Plus 66 de force, c'est énorme. Et du coup, bah, elle fait super mal. 96 à 120... Bon, alors, c'est faux, en fait. Ça, c'est parce qu'elle a été piquée par un moustique à la fureur. Mais je crois que normalement, elle fait dans les 60 de dégâts, un truc comme ça. Donc c'est vraiment bon. Et le bouclier aussi, il fait dans les trentaines de dégâts, le coup de bouclier. Donc c'est vraiment fun. Et honnêtement, j'ai jamais eu autant d'armure. En plus, elle a énormément de vie. Hein. Et elle a beaucoup de constitution. Parce que je l'ai augmenté. J'ai augmenté le marmiton, évidemment. Honnêtement, j'ai jamais eu autant d'armure. Et je serais extrêmement surpris qu'on ait besoin d'avoir autant d'armure. Je vais être franc. Je serais extrêmement surpris si les ennemis arrivent à nous défoncer genre une 600 d'armure pour les plus gros. Je serais super surpris. Donc voilà. Après, j'ai pas changé grand-chose. Si, un peu le camp, j'ai genre poussé la civière, échangé la place entre la marmite et le tonneau. Des trucs comme ça. J'ai mis un peu plus d'espace entre les choses pour que ça soit un peu plus aligné et tout. J'ai avancé l'étape. Voilà, rien de très spécial, honnêtement. Et on est là. Donc on est au milieu de nulle part, en fait, parce que je me suis dit on va commencer juste là. Donc on a ça à faire. Techniquement, on peut aller se balader un peu et essayer de faire ça. Et essayer de voir là. Je crois qu'il est là, le temple perdu. Par contre, il n'y avait pas de mission pour le temple. Je pense que, honnêtement, avant de découvrir le temple, on peut savoir où il se trouve déjà. Mais on devrait faire ça et ça. Comme ça, ça va sûrement débloquer d'autres missions. Je pense qu'il y a toujours des lieux à défendre. Enfin, des lieux défendus, pardon. Qu'il faut attaquer. Et puis après, il y a toujours d'autres missions qui apparaissent. Donc, on peut faire ça et ça pour le début de... Le début de l'épisode. Et notre autre... comment ça s'appelle? Notre autre... genre hors la loi, hein, qu'on avait hein, au début. Je l'ai mis à Vertru, je crois. Quelque part par là. Je l'ai pas mis des menottes et je l'ai pas mis à la... Je l'ai pas foutu en tôle, hein, tout ça. On l'a gardé de côté. Par contre, il y a... vous rappelez du lancier, c'est Jet, je crois, un truc comme ça. Le lancier qui était devenu maniaque. Lui, par contre, oui, je l'ai viré. Et oui, au passage aussi, j'en avais parlé la dernière fois où il y a eu une sorte... Je suis sûr que c'était quasiment un bug. Où Lida est devenue maniaque et j'avais rechargé la partie et tout ça pour éviter qu'il soit maniaque. Et en parlant de traits, vous rappelez qu'on a tué un boss. Et du coup, il y a Miguet qui a eu ça. Inébranlable, immunisé à la terreur. Donc ça, je suis assez content. On a au moins un personnage, un compagnon qui est immunisé à la terreur. Donc ouais, elle a fait pareil que la dernière fois. Genre, elle a dit... Ah, c'était un super combat. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Genre... célébrer, etc. etc. Et du coup, j'avais l'option pour avoir inébranlable. C'est bête parce que la dernière fois, on l'a pas eu. On a eu quoi? C'était Johan. Je sais plus qui avait tué qui. Mais ouais, c'était la première fois qu'on a vu. Oui, c'est la première fois que j'ai l'option pour avoir inébranlable. Après, je sais qu'on a eu Ingran qui a eu. C'est Vaillant. Ouais, c'est Vaillant. Quelqu'un d'autre aussi a eu encore Vaillant. Mais ouais, ça sert un peu à rien, quoi, d'en avoir deux. Je suis quasiment certain que ça a pas changé, que c'est pas stackable. Ah, tiens, il y a le temple ici. On va pas aller dedans. Parce que c'est quand on va dedans que ça, normalement, ça valide les missions. Oh, la vache, il m'a fait peur, c'est con, putain. Je serais pas contre récupérer un sanglier ou une lait, peut-être. On va attaquer. Après, comme j'ai dit, on n'a pas vraiment besoin. Ouh, 9. Qu'est-ce que je raconte? 9, 11? N'importe quoi. On n'a pas besoin vraiment de champignons ou quoi que ce soit. Donc c'est encore des niveaux 11. On est reparti. Qu'est-ce qu'on fait? On retente. Enfin, honnêtement, ça sert un peu à rien. Parce qu'à moins que je...
Je récupère des gens complètement absurdes, des malfaiteurs. Y en a deux d'à côté, côte à côte. Troisième ici. Dégoût des faibles, on s'en fout. Par contre, on va tenter la même chose, c'est-à-dire qu'on va mettre... Il y a trois groupes en fait. Trois groupes, c'est chiant. On va essayer de se mettre au centre. Parce qu'il y a de la place au centre. Ok, personne de ce côté-là. Duan. Ok, on a des archers. Faut qu'on entoure un peu mieux ça. C'est qui commence en premier? C'est le malfaiteur. Malfaiteur, archer. J'aime pas beaucoup. J'aime pas cet endroit parce que, regardez, on est bloqué par pas mal de choses, donc ça va être un peu relou de bouger. Ouais, ok, ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc c'est toi qui va bouger. Ce que je vais faire, c'est que avec l'orage, je vais aller sur le braconnier directement. Très bien. Peut faire le coup des ours, que ça, honnêtement c'était bien pour les garder au combat pendant qu'on tuait tout le monde. Ok, c'est deux malfaiteurs qui commencent au début en plus, super. Après, est-ce que ça vaut le coup encore de les garder? Honnêtement, je vois pas ce qui pourrait être mieux d'avoir des malfaiteurs. Ça va être qui après? Là, c'est toi? Oui, c'est toi du coup. Ok, tout le monde est... Tout le monde commence du même côté, c'est marrant. Ah putain, j'aurais pu faire un carton là. Ok, fais voir un peu. Bien. Joli. Le coup de bouclier, honnêtement, est vraiment cool. Il fait quand même pas mal de dégâts au final. Mais bon, c'est... L'armure, comme elle est défoncée par la corrosion, c'est abusé, quoi. Ah, c'est 15% par tick, en fait. Enfin, par stack, donc du coup il y en a deux, c'est 30% d'armure qui part, c'est énorme. Mais ouais, le coup de bouclier, ça fonctionne potentiellement bien au final. Alors... On va se débrouiller. Je sais pas si elle va tuer... Non... C'est un peu de la merde. Ok. Bon, au moins on s'est chargé des...
chargé des archers. Je me demande si ça vaudrait pas le coup, lui par exemple, de lui mettre de la récupération de bravoure. Ah, j'aurais dû taper avec... Ouais, non, ça va, on est encore à portée. Parce que c'est vrai qu'il consomme énormément de bravoure, hein, quand même. Et il en génère pas des masses. Il en génère vraiment pas des masses. Donc lui, je dirais pas non pour lui mettre le poison et bravo. Ok, très bien. Toi, tu vas te prendre un critique. Merci à l'œil de lynx. On va te provoquer. Comme ça, on n'a plus besoin de faire attention à toi. Toi, tu vas te faire one shot. Est-ce que tu peux one shot... genre lui? M'étonnerait quand même. Ça fait un peu... C'est un peu compliqué. Faudrait que quelqu'un le tank à la limite. Bah tiens. Alors fais voir un peu les dégâts que tu fais sur... Ah, c'est pas mal hein. L'attaque elle fait... Les dégâts sont augmentés de 50% si elle a encore de l'armure. C'est vraiment pas mal. Ouais. Pour juste pour un coup normal, c'est vraiment bien. Alors du coup, toi tu peux y aller. Ouais. Ouais, non mais en fait t'aurais pu complètement le solo. Enfin quoi que... On va dire que t'as fait un crit. T'as eu plus de chances de faire un crit parce que tu tapais dans le dos aussi. Mais au final... voilà quoi. T'as quand même one shot le truc quoi. Je vais la faire attaquer parce que je l'aime bien. Normalement elle devrait pouvoir se déplacer. 96 c'est très très bon les gars. C'est fun hein. C'est super fun hein. Honnêtement je pourrais lui enlever la lanière de cuir pour qu'elle soit un peu plus résistante. Pour qu'elle fasse plus de dégâts, genre par exemple, on lui augmente le fait qu'elle peut taper une autre fois. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait que je balance la faucille proche de la cible. C'est vrai que j'avais oublié ça. Mais ouais, le coup de taper plusieurs fois, c'est vraiment fun, honnêtement. C'est marrant parce que c'est des persos qui sont techniquement pas bons. Mais qui sont au final super fun à jouer grâce à leurs choses un peu spéciales comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Honnêtement, les huiles de force et tout ça, c'est que à chaque fois 10%. C'est pas énorme. C'est vrai que ces huiles-là, elles servent pas à grand-chose en fait. Maintenant que j'y pense. Tu peux faire... Mon dieu, à chaque fois quoi, on dirait genre un éclair qui vient de tomber à côté quoi. Là t'es pas mort? Je pensais que t'allais crever.
va devoir consommer encore. Je tire sur lui en fait. Ouh, joli. Oh mon dieu, qu'est-ce que t'es loin. C'est ouf quand même. Regarde-moi, tu mettrais tellement de temps à venir vers nous. C'est abusé. T'inquiète, il y a un moustique qui arrive. T'inquiète pas. Il y a un moustique qui arrive pour te finir, t'inquiète. Alors, toi te faire... Hop, taper deux fois. Ouais, j'aime beaucoup le fait de taper deux fois en fait. C'est potentiellement la meilleure huile. Hein. Parce que ça fait longtemps en fait, à chaque fois je me dis, on va peut-être pas faire ça à chaque fois, sur, genre sur toutes les armes parce que c'est un peu con. Quoi. Mais non, non, au final non. C'est la meilleure basta quoi, pour quasiment toutes les choses qui existent. Il n'y a que les archers, il faut que je teste les archers. C'est le seul truc qu'il faut que je teste en fait. On met du saignement sur eux. Tu risques de leur faire super mal. Oh. Tu vas sur Drakkard? Ça va pas la tête? Il a même pas eu le temps de riposter en fait, t'es mort naturellement de... Non, pas naturellement, c'est pas de cause naturelle, mais t'es mort de poison quoi. Sans qu'on te touche, c'est marrant. Bon, il nous reste plus que nos deux mecs. On va les attraper, honnêtement, je pense que ça sert un peu à rien parce que... Je pense que ça sert un peu à rien. Fais voir un peu... Qu'on te fasse un peu des dégâts. Si je tape, tu vas le défoncer. J'aurais pas dû jouer elle maintenant. J'aurais dû la jouer après. Oh mon dieu. Quel con. Oui, voilà. Ils sont engagés, je leur ai mis riposte. Ah, merci. Ouais, tu l'as loupé. Je leur ai mis riposte aux ours. Ah bah là... Ça va être compliqué. J'ai fait par erreur, j'ai mis riposte, le machin il t'a mis un coup de patte à 420 quoi dans la tête. Pas mal. Pas mal du tout. On est loin de la prison. On est encore, on est un peu loin. Est-ce que ça vaut le coup de courir jusqu'à la prison? C'est une centaine de pièces hein, quand même hein, la prison. Et puis ça nous fera baisser notre recherche. Et merde. Non. Putain. Bah attends, on fait une attaque surprise. Ouais, on peut les tuer. Ils sont au niveau de 10. Je vais voir toi. Costaud. Oh la vache, putain, vous faites exprès en plus.
J'avoue que costaud, c'est intéressant pour une saloperie de machin qui a plein de constitution, j'avoue. Mais... Ouais, non, mais bénévole, c'est plus intéressant. C'est nettement plus intéressant, parce que c'est super, c'est quand même super cher. Non, non, c'est bon. Faudrait farmer les persos parfaits, mais bon, les persos parfaits, c'est compliqué. Comme j'ai dit, parce qu'à un moment, j'avais expliqué. De toute façon, les persos parfaits, c'est les 4 premiers de base, et vraiment les tout premiers qu'on récupère dans le... Et encore, non, même pas. Parce qu'on en a, genre Arnus, ça fait super longtemps qu'il est avec nous, il a quasiment aucun trait. Ouh la vache, ils sont tous au même endroit, c'est pour ça que ça me dérange pas de combattre. Ils sont tous au même endroit, c'est cool. J'avais dit que je voulais un sanglier en plus, peut-être en prendre un. Mais ouais, faut pas que je me prenne la tête. Parce que, comme je dis, les 4 premiers, ça reste les meilleurs. Le reste, c'est du surplus. Enfin, c'est le reste de l'équipe. Ils seront jamais aussi bons, c'est comme ça, point barre. Y a pas à chercher. Hop, faut regarder qu'il n'y ait que des tanks en plein devant. Ok, on est bon. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de... On va se prendre un joli piège. Pas retaper, non. Le machin est pas mort, tu te fous de ma gueule. Eux ils sont bloqués, ils sont tellement larges. Toi aussi t'es bloqué, tu pourras strictement rien faire. Oh, pas cool. Mais si, tiens, on va en avoir un facilement. Laisse tomber. Aïe, 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 aïe. J'avoue que dans ce jeu, honnêtement, je serais pas contre... combattre des créatures. Oh non. Ah oui, non, ça va. J'ai cru qu'elle allait sur lui. Enfin, le sanglier, il allait sur lui. Je serais pas contre combattre des monstres, en fait. Dans ce jeu. Alors, je sais qu'ils veulent pas... c'est leur côté heroic fantasy, tout ça, avec... juste des... Ouh, très bien. Juste des... comment ça s'appelle ? Des chevaliers et tout ça. Faut que je me déplace pour enlever les postes. Ouais. Ok. Mais... ça serait fun quand même. Plus de créatures en fait. Il y a des zombies et tout déjà. Mais genre plus de différentes créatures. Ça serait vraiment fun. Je pense. Faut avouer que quand on sait comment les humains combattent et tout, il n'y a plus trop de difficultés pour ça, par exemple. J'avoue qu'il y en a zéro de difficulté. Après, je dis pas, hein, peut-être que dans la nouvelle région, on va avoir des problèmes, hein, mais ça m'étonnerait. Même si on est en...
en infériorité numérique, parce que c'est vrai que là en ce moment on n'est jamais en fait en infériorité, on est toujours qui on va utiliser. On est toujours, on a beaucoup de gens, mais c'est fait exprès parce que je voulais m'amuser et tout. Et comme j'ai dit, on a tellement une facilité pour l'argent, pour la nourriture et tout, donc j'en profite. Elles deviennent mieux en mieux, elles, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Mais même sans ça, à un moment, vous vous rappelez, on a eu des combats. Ben, là, même par exemple, là, on combat des trucs niveau 11 et on en fait ce qu'on veut, en fait. On combat des hors-la-loi niveau 11, on en fait ce qu'on veut. Ils sont 14 et il n'y a aucun problème, quoi. Mais même sans ça, il y avait un moment où on a eu... c'était un peu compliqué. Où j'ai utilisé genre l'arc de Bouddha à Lazare là. Et ça s'est super bien passé. J'en ai combien de réserves? 14. Très bien. Toi t'as assez de bras de volonté, ouais. Donc ouais, il n'y a pas vraiment... pas vraiment de risque. Ça tue son truc, le fait qu'il puisse... Très bien. On en a récupéré, on en a capturé un, je crois que ça suffit, hein. Pas besoin d'en capturer 50. Putain. Et c'est pour ça que je me dis, ça serait marrant d'avoir des plus de monstres en fait, plus de zones comme les marécages là. Avec plus de différentes créatures. Ça serait vraiment fun à jouer. Et plus de boss peut-être? Je sais pas. Genre peut-être des... pas des trucs aussi gros que des boss qu'on combat là, mais des trucs un peu plus normaux. Enfin un peu moins pété, mais avec des armées en plus. Bah, je sais pas comment expliquer. Alors, je vais directement... Ah là, là, on n'y arrivera jamais avant... avant de devoir dormir, je crois. Ouais, non, j'y arriverai pas. Ah, quoique. Non, non, c'est bon, on y arrive. Cool, ça nous fait de l'argent. You're here for the reward. Oui. Don't worry, he won't get away. Incorruptible. Alors, fais voir un peu notre cochon. Là. Donc, sanglier d'élevage, transport, parce que le feu... Enfin, le transport, on n'en a peut-être pas besoin. Le feu aussi, on n'en a pas besoin, en fait. Transport à la place. Truffe. Te soigne, petit cochon.
qu'à faire ami-ami avec, avec notre mascotte. Alors, ça, il faudrait qu'on le... On le blanchisse. Alors, on va prendre ça. J'ai refait encore à chaque fois. À chaque fois que je fais des pauses comme ça, je refais le plein de nourriture. Ah oui, j'ai fait des, de la terre et mer à la broche, là. Donc, constitution. Donc, si jamais on veut, je sais pas, faire une arène, on va dire. On pourra faire ça. Ouais, à chaque fois qu'on veut faire une arène, on pourra prendre constitution, critique, etc. etc. Ok, tout le monde a... Toutes ces personnes ont fureur. 7, 8, 9. On récupère 9... Ouais, 9 de bravoure. C'est pas mal, hein. C'est vraiment bon. Ah oui, aussi... Genre, à un moment, je me suis reposé. Vous savez que j'étais en train de fouetter quelqu'un dans le camp. Et il y avait une tempête en même temps. Et apparemment, on, à cause du vent, on peut fouetter un allié. Et du coup... alors, c'était qui fouettait? C'était elle. Genre, elle a fouetté un moustique par erreur. Du coup, il est pas content, le moustique. C'est assez drôle. Il y a plein de petits événements comme ça qu'ils ont rajoutés, qui n'existaient pas. Enfin, honnêtement, que je les ai jamais eu, hein, ces trucs-là. Genre, c'est comme les l'ours, par exemple. L'ours, j'ai joué avec les ours extrêmement longtemps. Genre, quasiment jusqu'à la fin du jeu. Du début jusqu'à la fin du jeu, honnêtement, parce que le premier ours que j'avais rencontré, il était dans la prison. Au très bas niveau. Et j'ai jamais eu, genre, qu'il mange le miel. Hein, ça me dit rien du tout. Hein. Donc, ils ont rajouté plein de trucs, en fait. Bon, bah maintenant, on peut attaquer ça ou pas? Le repère est prêt à tomber. Donnons le dernier assaut. Des renforts arrivent. Peut-être qu'on peut refaire encore un petit tour, parce que c'est vrai que... Non, non, non. Où est-ce qu'on aurait... On peut aller en plein milieu, peut-être, de la forêt? Attends, j'ai cru voir des trucs bouger. Il y a sûrement encore un groupe qui traîne quelque part. Là, non. Ouais, je suis sûr qu'on peut se les faire. Hein. Je regarde s'il n'y a pas des choses en bas, secrètes. What? Comment on y va? Il y a des mecs en bas. What the fuck? Ah, il y a une meute. Bien. Il y a sûrement un secret là. Je vais faire attention à où je place les pitons parce que... Attends, il y a des trucs secrets là. Vas-y, vous êtes qui vous? Your mother never told you to stay away from smugglers. Contrebandier. Niveau 10. C'est bizarre un groupe comme ça, enfin c'est pas la première fois qu'on trouve des groupes de contrebandiers, mais comme ça là tout en bas, il n'y a rien, il semble rien avoir. Après je me demande s'ils sont liés à une équipe ou pas, enfin pas une équipe, une quête. Je me demande. Toi tu vas prendre très cher. Alors on va pour cela... Il y a combien? 3 groupes, c'est ça? Ils
J'essaye de mettre les gros mêlés en premier. On va mettre Johan en plein centre. Ok, ça a l'air pas mal. Dire que j'ai joué tellement longtemps sans inspiration quand j'y pense. C'est vraiment un calvaire, quoi. Après, c'est pour ça que les combats ils duraient très longtemps pour moi. La plupart du temps. Étrangement, c'est devenu super facile. Qu'est-ce que je fais? Je provoque ou pas? Après avoir eu inspiration, c'est devenu très très simple le jeu, étrangement. Je peux avoir le troisième ou pas? Ah, yes. Joli. Putain de ouf. Ok. Tu peux avoir les trois ou pas? Par contre, là, tu peux avoir les trois. On va reculer encore. Voilà. Très très bon. On a lui. Alors, Phylac. Phylac, en fait, je sais pas ce qu'il faudrait à Phylac. Pour le rendre un peu plus intéressant. Tiens, on peut le finir avec elle. Ouais, enfin, il fait du poison, c'est marrant, mais c'est vrai que des fois c'est pas vraiment assez. Enfin, quoique, ça aide beaucoup quand même. J'avoue que quand on combat et que t'as le machin qui a plus de. Qui se prend genre un sang au lieu, et qui a quasiment plus de vie. C'est pas mal. Toi, t'as... Ouais, t'as ralenti. Okay. J'aime bien aussi ce que j'ai fait avec cette épée, là. J'adore vraiment. Le coup de ralentir. Ça, c'est pas abusé, c'est bien. Putain. J'aimerais bien tomber sur un bouclier qui peut-être qu'il mette pas le feu mais puisse taper et faire des dégâts aussi. Genre juste un simple coup de bouclier, j'ai envie de dire. Ça
ça y va les critiques, hein, vache. Vous avez combien tous de critiques là? Ouais, vous êtes sûrement tous dans les 50%. Oh la vache! Puis les dégâts critiques! Oh, on n'en parle pas. Hein. Carnage. Ah, reste plus grand monde. Hein. J'ai dû faire une petite pause, on est reparti, je sais même plus ce que j'étais en train de faire. Ok, on est en train de massacrer des hors-la-loi, oui, c'est vrai. Alors, aïe 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 aïe. Il y a le lancier, je sais que le halbardier serait sympa pour ce genre de choses. Genre il aurait l'attaque circulaire là qui toucherait tout le monde. J'avoue. J'avoue que ça pourrait être pas mal ce système. Toi tu vas mourir, enfin tu vas sûrement jamais jouer parce qu'on a tellement de gens encore. Comment on va te faire toi? Ouais le halbardier là, ça m'intéresse. Pourquoi tu fais pas de dégâts comme ça, 56-93? 26-44. Ah oui, c'est bien ce que je pensais, parce que... Donc oui, il y a des targes, en fait. Il n'y a pas que des écus avec les dégâts subis moins 90%. D'accord. Ça marche. Maintenant, je le saurai. Voilà. Il y a plein de classes que je voudrais tester, de nouvelles classes surtout. Après ça fait un peu cher à chaque fois de devoir les changer, de re-augmenter les skills en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec toi? Critique de base 17. Endurance, Finland. Ouais, toi t'as quasiment rien quoi. C'est abusé quand même. T'es avec nous depuis super longtemps. T'as rien. Lui il est venu tard. Tracar aussi au final il a pas grand chose. Il y en a plein qui ont pas grand chose. Ils ont le strict minimum quoi. Après c'est les tanks qui font le plus. Ouais, c'est les lourds en fait. Du coup, toi, on te met quoi? Plus de dex ou plus de crit? Parce que toi, on fait full dex maintenant, mais même plus de crit du tout. Valeur de base 22. Ouais, c'est parce que t'as énormément de crit, de dex en fait. Ah! Allez, on va faire dex. Merde. Non, oula. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils foutaient là, les mecs? Il pleut, je vois rien du tout. Non, mais il n'y a rien, en fait. Hein. Je me demande si on doit les tuer ou pas. J'ai peur qu'on rate quelque chose en fait, à les tuer comme ça. Genre on n'a pas vraiment de but de le faire. Bon, pour la meute c'est trop tard. Bon on va faire les... On va faire le camp. Allez on y va.
Même s'il y a des renforts, c'est pas grave. Ils sont pas là les renforts. Genre en bas. Ah, vous croyez qu'on peut aller là? De toute façon, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien. Allez, go! C'est quoi ça? Les cochons. Ok, ça va être un gros combat. On va devoir bien jouer. On va devoir bien placer, surtout au début, parce qu'ils sont beaucoup, donc ils vont sûrement être en 3, voire je tire à 4 groupes même. 14. On peut sûrement tous les tuer avant que les renforts arrivent. Mais au cas où, faudra bien jouer. Ah! Oh, sérieux, que 3 groupes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, c'est bon. Ok, nickel. Putain, en fait, on les encercle. Ouais, non, mais vous êtes complètement morts, en fait. Ok, ça marche. Et dites-moi, vous êtes complètement morts, les mecs. J'ai pas envie de mettre les animaux aux extrémités, parce que s'il y a des renforts, les renforts viennent des extrémités, en fait. Ok. C'est qui ouvre les... C'est toi. Laura? Laura. Ouais. Ça suffira. Ça me rend toujours fou, hein, ce truc de bravoure là, hein, qui fonctionne pas bien. Ah ou? Calmer. Qu'on sauve les cochons. Très bien. Au final, il n'y a pas grand chose de ce côté-là. On va se mettre là. Fou! Rien qu'un petit coup comme ça fait mal. Faut qu'on fasse gaffe aux animaux. Je les ai mis exprès au centre, mais en fait j'ai pas mis assez de tanks sur le côté droit. Fou. Ok. Pas mort, ça marche. Quand même méga résistant des fois. Hein. Risque rien. Tout
toi, tu vas nous emmerder. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça, ça fait 2 points quand même. Ouais. Faut que je fasse des bombes. Ouais, faudrait que je fasse des bombes et des accessoires. Plein de trucs pour la main gauche. Mon dieu. Ok, cet archer. On peut y aller avec Menet. Normalement one shot, je dirais. Très bien. Lui aussi il va mourir, pas besoin de le toucher. Là on a des... ça va. C'est quoi toi? Non mais ça va, tu vas pas faire mal. Toi tu vas mourir, ok. On est bon. On est honnêtement bon. Très bien. On a encore 11 personnes quand même. Ben, au final, ça risque d'être chaud. On va peut-être pas les tuer. Le problème c'est que parce que j'ai pas assez de... j'ai pas assez de bravoure en fait. C'est ça le problème. Donc je peux pas y aller comme un gros bourrin. Je fasse attention de pas avoir mes archers en extrémité en fait. J'aime pas ce côté droit là. J'aime vraiment pas ce côté. Ah, ça a marché. Énorme. Énorme. Pas mal. Mmh.
vache. Ah, ouf. Je faisais pas trop attention à qui il devait jouer. Je devais être honnête. Ok, ce côté c'est bon, il y a du tank. Ici, ça va aussi. Il y a que... là, ça me fait un peu peur en fait. Ouais, j'aurais pas le temps de les tous les tuer, je pense. Le fait d'avoir Führer et Riposte sur les lanciers, je trouve ça un peu abusé honnêtement. Führer et Riposte quand on n'est pas engagé, c'est super simple à l'avoir, je trouve. Quand même bien abusé. Ça rend tout ce qu'ils font extrêmement puissant en fait. Déjà qu'ils étaient puissants à la base. Là on a l'ours. J'essaye d'aller vers ce côté là-bas. Là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouf! Pas mal. Ouais, je suis sûr qu'on peut te tuer avec un moustique, non? Presque. Presque. Bon, c'est l'heure des renforts. Oh la vache! Là, un seul, 17, pourquoi j'en compte 17, il n'y en a pas, ah ok, ici, ça marche, ouais, ici il y en a beaucoup. Il faut absolument qu'on ait un tank en fait. Il faut absolument des tanks. Et il faut qu'on booste notre déplacement. Ok, on a des braconniers. On va voir, toi t'as un ours qui peut contrer ici. Là on a toi. Toi t'es dans la boue, ce qui est très chiant. On a toi. Tu pourrais t'en défaire, mais tu peux pas vraiment. Il y a Silea, elle est pas assez résistante pour vraiment tanker autant de gens. On a Ménette. Pas très proche en fait.
Ah, on est mal placé, on est très très mal placé. Ça va aller, ça va aller. C'est bon. Okay, toi t'es loin. Après il y a lui. Là c'est loin. Toi il faut qu'on te tue et qu'on n'en parle plus. Là il y a quoi? Il y a deux personnes. J'allais dire on allait te tuer avec un coup de bouclier, mais en fait non. Oh, c'est bon, on s'en fout. Toi t'es encore plus loin que loin. Toi aussi t'es encore plus loin que loin. Faut gérer ce côté là. Faut tuer tout le monde. Je récupère un peu de points en fait. Pas mort. Toi, on va pouvoir, en théorie, te one-shot. Merde. Chier. On va pouvoir te one-shot, ça c'est un problème. C'est pas trop grave. Juste que l'ours vienne aider. Ok, maintenant faut contrer. Ok, il y a lui, on s'en fout. Lui, il est loin aussi, on s'en fout. Il y a ces trois-là, c'est des mêlées. Il y a lui qu'il faut tuer absolument, parce qu'il va être chiant. Ici, il faut qu'on vienne aider aussi. Ménette, tu peux faire ça. Très bien. Très joli. Ok, on a ces deux là. Alors,
Toi aussi, tu vas te mettre là. Faire attention à notre bravoure, encore une fois. Ça va nous prendre encore un tour, au moins. Largement. Pas mort, sérieux. Avec 10 de vie, honnêtement, un moustique, et hop, c'est fini. Joli. Très bien. Je pensais pas, mais... Y a pas de problème. Parfait. Ils peuvent pas utiliser les objets hein, du terrain, je crois pas. Très bien. Okay, faut essayer de contrer celui-là parce que j'ai peur qu'il nous tape. C'est quoi? C'est... Ouais, il va nous taper. En plus, on n'a plus... On n'a plus la défense. On peut faire du tir, ça devrait aller. Bon, déjà il y a ça, cadeau. Et après si tu pouvais aller très loin. Oh, ou mourir même. Ça va, on a rectifié. C'est un peu, ça fait un peu peur des fois, parce que là, c'est vrai qu'on avait ce côté-là qui était un peu compliqué, et c'est là où il y en a le plus, en fait. Donc j'avoue, c'est pas le fun. On va s'occuper de toi. Ah, j'aurais dû envoyer un moustique, en fait. J'aurais dû tout simplement envoyer un moustique. On les tue vraiment avec le poison. Comme ça, il restera plus grand chose à faire. Alors, qui il nous reste? Notre ours. Tarus. Ça nous fera des points. Très bien.
Plus je pense que tout le monde va... C'est bien qu'il y a cette boue en fait, on va en profiter. Tout le monde va aller dans le poison en théorie. Ah putain. C'est... Ah ça c'est triste ça. Ça c'est un tout petit peu triste. Hop, un petit coup de poison, ça fait pas de mal. C'est quand même utile, hein, le coup de poison. Hein. Un poison comme ça. Après, c'est vrai que le rat aussi, s'il peut mettre à chaque fois deux poisons, c'est intéressant. Si on les build pour le déplacement, ça peut être intéressant. Mais bon, les moustiques, c'est plus simple parce qu'ils n'ont pas la boue, le problème de la boue et tout ça. Venir. On va se mettre ici. On va se mettre où exactement avec l'ours? On va se mettre sur le côté, comme ça on a la place de se déplacer quand même. De revenir en arrière, d'avancer si jamais il y a un problème. Eh ouais, les mecs, on commence. Très bien. Toi, on va te perforer. Oh la vache. On va te tuer même. Ah, chien. Je dirais qu'il faut quand même utiliser le... l'ovation. En plus, ça lui donnera la riposte. Ah, on pourrait aller le tuer, en fait. Autant pas prendre de coups. Voilà, on vient t'aider. J'adore cette animation. Une des meilleures. Elle est très simple, mais elle est vraiment cool. Là, il nous faudra un épéiste, en fait, pour bloquer. Bah, il y a Miguet qui est là. Parce que elle peut, elle a pas... peur du poison en fait. Voilà, on a eu notre rage. Tu vas prendre deux de poison. Parce que en fait ils vont prendre deux de poison, c'est un peu chaud. On a zéro bravoure quoi, c'est relou. Oh nickel. Ah comme ils vont loin. C'est super. Ah, c'est le doubler, le fait de repousser, hein. C'est top, hein. Faut l'avouer, hein, c'est top. Je vais faire ça pour de la bravoure. Ah,
Ah, très bien. Et en plus, on l'a tué. Est-ce que tu vas balancer tes couteaux, toi? Je me demande, en fait. On va y aller avec notre berserker. Là, il devrait one-shot. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On prend le dessus. Ouais, non, on a bien fait d'empoisonner, là. Tout le monde va... Ah, ça a touché, ça a pris de rage, ça tue. Marrant, ça. Yeah, bien. Tout le monde va prendre super cher, en fait. Du poison. Parce que personne n'arrive à avancer, c'est bien. Voilà, regarde-moi ça, 139. Oh la vache. Ils n'arrivent pas à avancer, c'est con. C'est pour ça que j'adore mon équipe. C'est pour des moments comme ça, en fait, que j'adore mon équipe. Que je me dis que j'ai pas fait d'erreur, qu'en fait... même si, par exemple, notre empoisonneur, il est pas tout le temps utile. En gros, non, c'est pas qu'il est pas tout le temps utile, c'est que... Il a tendance à bouffer beaucoup de... De bravoure. Si jamais on veut l'utiliser. Mais au final, il y a des moments comme ça où il est méga utile, en fait. Genre, sans lui, ça serait un peu plus compliqué que prévu. Du coup, on va les laisser venir. Je vais juste soigner le feu. Comme ça, il se propage pas. Y a plus d'archers en plus, donc on risque rien. Toi, tu peux te mettre à côté. On peut pas passer se mettre là, en fait. On a fait un mur. Ils peuvent venir s'ils veulent. Voilà, bien joué. Le titre sanguinaire. Même le fait d'avoir des moustiques, c'est utile. Je peux pas dire, mais même ça c'est utile. Seconde ligne. Toi, tu vas rejoindre aussi les tireurs. C'est sympa ces combats comme ça qui durent un peu longtemps. Enfin, genre, c'est quoi? C'est le troisième round, je crois. C'est juste qu'on est beaucoup. Bon, là, tout le monde est mort, donc on est bon. Donc il reste plus qu'eux. Il y a que Miguet qui peut techniquement avancer. On a encore 2-3 points. Ouais, on va. Je crois qu'on. À cause du.
Après, ça dépend. Enfin, on devrait les laisser venir, en fait. Je passe des tours. Je voudrais voir à quel point ils peuvent s'avancer, en fait. Il y a juste leur tank de merde, là, qui bloque les autres. Oh, la vache. Bon. Pas trop prévu ça, mais non, on va vous massacrer. Voilà. Bah, du coup, ça fait beaucoup de monde. Okay. C'est quoi ça? Ouh, la clé mort du criminel, elle est niveau 11. Alors, applique saignement si elles sont empoisonnées. Ouais, on avait vu que c'était pas top top. Lorsqu'elle s'émousse, les brigands continuent à l'utiliser comme une masse. J'avais pas vu ça. Après, on a aussi un bouclier du coup, niveau 11. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah, 23, tu m'étonnes. On en a combien des 96. Voilà. On va garder le bouclier et on va potentiellement garder la clé mort aussi. Je pense. Ah, il y a quelqu'un. If you wish to benefit from everything the black market has to offer, you will have to make your way there. In the meantime, you can deal with me. I take anything and everything, wherever it comes from. Une aiguille facile à dissimuler dans une manche et à planter entre les deux côtes. Coup critique contre les cibles qui portent une armure légère augmentée de 10%. Non, en fait, c'est nul. Ah, fait chier, c'est nul. Bon, en gros, c'est pour aller tuer tout ce qui est assassin et archer, hein. Je comprends bien, mais... Autant avoir un critique plus 5% sur tout le monde, hein. Je dirais. Si au moins c'était 20%. Je dirais pas non, mais... Ah, on va l'acheter. Qu'on le blanchisse. Et après, là, il y a les livres. Ah, c'est bête. Ça me dit rien, mais il y a beaucoup d'objets, de ceintures et tout ça. Je dois dire que ces limites 90% des objets sont presque inutiles. C'est pour des situations tellement spécifiques et rares, du coup. Alors, sardines aux champignons, mélange étrange et la preuve, hein, s'il en fallait, que les habitants de Grimir sont pleins d'inventivité. Dégâts contre les animaux augmentés de 10%. Ça, c'est pas mal, ça. Sardines et du champignon. Champignon, on en a plein à chaque fois, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Donc, ça, c'est cool. Et là, on a barre marinée à l'huile de chanvre. Lorsque la troupe collecte une ressource dans le monde, elle a 25% de chance d'en récupérer une bonus. Pas mal. Chanvre et barre. Bon, les chanvres, faut l'utiliser pour beaucoup de choses, genre le craft et tout ça, les cordes et tout, donc... C'est pas vraiment un plat qu'on va faire, en fait. Alors qu'il est bien, parce qu'on pourrait vraiment en manger tous les jours pour récolter... récolter des objets en plus, hein. Ça pourrait être vachement bien.
On va prendre ça. Ouais, on a plein de points, ça va. J'imagine que ça, c'est le poison. On l'a pas encore. Je sais pas comment on débloque, en fait, ces habilités-là. Ça s'est débloqué... Ah oui, quand on a fait l'arène, je crois. Je crois que c'était avec l'arène. Je suis content d'avoir fait ce combat, c'était cool. J'arrive pas à savoir de quel côté ça devient plus facile. Je vais un peu plus vite, je les casse très vite là, mais on en a tellement en réserve donc ça va. Trésor des brigands de Greenmere. Ouh, cool. Croco pour flamber. Ouh, il y a un coffre. Yeah, nickel. Est-ce qu'il y a d'autres coffres dans les tentes? Ah, les trucs super cachés, quoi. Oh, ça, c'est bien. Dégâts augmentés de 5% si non adjacent à un allié au combat. Ah, mais c'est pour les animaux, ça. Par contre, le 15%, ça m'intéresse parce que vu que je mets quasiment tout le monde à 15%, parce que honnêtement, il n'y a pas mieux, hein. Genre toi aussi en fait, tu vas te prendre un 15%. Déjà, tu es déjà à 35% de critique. C'est déjà très bien, donc tu feras un peu plus mal. Faudra t'augmenter par contre le critique de base, que t'as un critique de base de vraiment pourri en fait. Je crois que j'ai... Genre... Ah, il y a encore toi qui a un stylet. Après, tous les autres, ils ont un canif, en fait. Il y en a beaucoup qui ont des canifs. Oups. Okay. Quoi d'autre? Sympa, cet endroit. Plein d'objets. Je crois qu'on a fait le tour. Ok. C'est parfait. On peut aller faire ça. Ça fait un moment qu'on est... Non, on a encore le temps. On a encore le temps. On peut descendre direct. Je crois qu'il faut que je fasse des pits. Attendez, on va faire des pitons vite fait et je vais mettre ça. Ça, par contre, l'argent, ça c'est bon ça. On va le revendre. Ça va être super cher. Ça, si je le revends avec la nourriture qui augmente de 10% et je le vends dans la bonne ville, parce que je crois que ça dépend les villes. Il y en a qui en achètent très, très cher. Et on peut faire une mission et tout dessus. Je crois que ça va être 220 l'un, un truc comme ça. Donc c'est facile, plus d'un cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je mets ça. Quoi d'autre? Bah c'est tout. Ah oui, non, faire des pitons. Faire des pitons. J'adore ce son. Ouais, on va faire le reste. Ben, on va faire le combat au centre. Ah putain, attends, il y a la garde. Le problème avec la garde, c'est qu'en fait, on a un objet volé sur nous. Même si techniquement, on l'a pas volé, ça reste un objet volé. Donc, je crois qu'ils vont nous le faire payer. Je crois.
Merde, j'arrive pas. J'arrivais pas à cliquer dessus. Du gibier, oui, ça aussi. Est-ce qu'on a des trucs à vendre? Pas tellement. C'est pas vraiment à vendre, il faudrait détruire pour matériaux bruts en fait. Ah putain, ils sont en train de couper ces connards. Ah putain, j'ai pas pris le poids. Lâchez-moi. On va d'abord faire ça, l'endroit qu'on connaît pas. C'est... Ah, c'est là, ok. Putain, mais on voit rien du tout. Oh là, oh là, oh là, oh là. On va peut-être camper ici, parce que je vais pas camper dans la forêt si on... Il y a des gens juste là. C'est pas la garde? Non, c'est pas la garde. Ah, on va se mettre là. On est bon, yes. Alors... Bam. 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 Ok. On va pas... Parce que je voulais mettre de la bravoure en plus, mais en fait, là, ce qu'on va dormir... En plus, oui, il faut qu'on dorme. On n'a pas de bravoure du tout. Mais on va pas récupérer toute notre bravoure. L'ours a dévoré votre production de miel. C'est chiant ça. 221 points d'expérience. Ouais, on a récupéré 9 points, ça va. Bon, bah c'était rapide. Cool. Merci, bien joué. Ah oui, Mara, t'es 9. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est 8, mais qui est pas occupé à faire autre chose? Toi, à la limite, tu pourrais... Toi, t'es 9, 9, 9... Je crois qu'il y a quasiment tout le monde qui est 9. Ah, toi, 8... Hop. Ok. C'est les deux sœurs là qui s'entraînent. De ce côté. Ah, la tour de l'aube, elle va mener à quelque part dans la ville. Je me rappelle de ça. Oh, c'est pas là le... J'ai pas regardé la carte, mais je crois que c'est ça. Ah non. Chef-d'œuvre, oblitération. Je vais voir la carte. C'est vrai qu'on a récupéré la carte, j'ai pas regardé. Ah ah ! C'est ça. Remonter, observer. Des bruits effrayants vous parviennent à travers le tunnel. Continuez. Des ratopes, 21. Oh la vache! Oh! 21, et en plus c'est dans des tunnels. Aïe aïe aïe. Regarde-moi cette
place qu'on a, quoi, pour se déplacer. Je me demande si à un moment ils vont pas nous dire non mais vous avez trop d'animaux, enfin vous avez trop de gens. Genre veuillez sélectionner les personnes que vous voulez laisser de genre en dehors du combat. C'est quand même un peu abusé. Après ça vaut pas le coup d'en capturer. On a le Nod qui est niveau 9 aussi. Et il est sympa. Bon. J'avoue que là c'est... Il faudrait des AOE à fond quoi. Le pire c'est qu'il y en a tellement, ils pourront même pas avancer quoi. Bartimus. Attends, Bartimus. Faut juste échanger Bartimus. Qui est quelqu'un un peu plus résistant en fait. Mais ils sont tellement nombreux qu'ils ont, ils vont pas avancer en fait, c'est ça le pire. Attends, là je touche combien de personnes? Merde, putain, j'ai fait de la merde. Je l'ai fait dans le mauvais ordre, je voulais faire ça avant. Bah, c'est pas grave. Ce n'est point grave, et j'aurais dû un peu mieux m'avancer. Jolis dégâts. On peut en faire 3 là. On se met un peu en plein milieu, mais bon. C'est pas comme s'il y avait un réel danger. Est-ce qu'on a des. Est-ce qu'on peut tirer genre à travers? Genre juste pour le kiff. Oh la vache. Elle était pas mal celle-là. Pas mal. Alors, toi aussi, tu vas faire un beau carnage. Et aussi Miguet là. Miguet, qu'est-ce qu'elle a? Elle a ça, la frappe déstabilisante. Alors j'avoue que la frappe déstabilisante, elle est quand même vachement pratique. C'est une des attaques les potentiellement
une des meilleures dans le jeu. Parce que entre faire de la déstabilisation très facilement pour un point qui se transforme en... ouais. Qui se transforme en critique quand il n'y a pas de garde. À 100%, c'est quand même abusé. C'est une super attaque. Je suis d'accord. Ah! Mais j'ai vraiment envie de tenter, surtout avec sa nouvelle épée, le fait de... La nouvelle attaque, là. Enfin, la nouvelle attaque. L'autre attaque, c'est une attaque AOE, ça tape deux fois, etc. Ça, j'ai vraiment envie de tester ça. Ce document officiel est daté de la nuit du meurtre de la négociante. Il s'agit d'un traité diplomatique visant à faciliter la vente d'esclaves sûrement, entre les royaumes de Gozenberg et Al-Azhar. L'ambassade d'Al-Azhar a apposé sa signature, mais l'emplacement réservé au sceau de la négociante Willa est vide. Donc on en apprend un peu plus. Donc elle avait besoin de la négociante pour signer le traité. En fait, on n'en connaît pas assez. Alors, si je me rappelle bien, je me rappelle de qui est le méchant. Je crois que celui qui a fait assassiner, c'est le mec qui nous a embauché pour son arène. Je crois que c'est lui, en fait, qui l'a fait assassiner. C'est pas lui qui l'a assassiné direct, hein. C'est, il a utilisé les freux, en fait, pour orchestrer son assassinat. Vous trouvez une lettre non signée adressée à l'ambassadeur d'Al-Azhar. Le contact des freux se déguise en marchand pour révéler sa vraie nature. Rendez-lui un bouet d'anguille. Ah oui, vendez-lui un bouet d'anguille. Il faut faire ça aussi, c'est vrai, j'avais oublié. Lettre anonyme. Il faut vendre un bouet d'anguille pour révéler le mec. Pour savoir où il est. On peut sortir par là. Et on arrive ici. Ambassadeur Al-Azhar. Ouais, je crois que... Ah, attendez, elle est où la reine? Elle est là. C'est celle-là. Enfin, je sais pas laquelle il se trouve maintenant, du coup, parce que vu qu'on a gagné, je sais plus. Non, il est à la sienne de... Well, I suppose I can't refuse you my finest wares. Maîtrise de coup. Ouais, non, on s'en fout, mais c'est moins cher, c'est cool. Bon, bah, du coup, il est à son arène. C'est le Bernal, le mec. Ouais. Bon, bah, du coup, on va faire ça, parce qu'on est à côté. Hop. Ah, quoique, on devrait peut-être s'arrêter là. Ça va durer un petit moment, non? Je vais voir un peu. Ah, on peut libérer ça, puis on s'arrête. Moulin de Grimir. I thought the mercenaries were supposed to investigate the broker's murder. Niveau 10. Oh, ils sont beaucoup, hein. Une bande de voleurs sans foi ni loi se terre à cet endroit. Allez, on y va. Ils sont beaucoup, ces cons. J'espère que le terrain est bon. Alors, 14 personnes. J'en ai vu un qui a pris vulnérabilité. C'est toi. Toi, tu vas prendre cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 11, 12, 13, 14. Ok. Ah, vous avez pas eu de chance, hein. Vous êtes en file indienne. Vous êtes en bonne ligne. C'est totalement la mort pour vous. Attends, on a peut-être pas. Enfin, si on peut se mettre là. Il faut juste plus de gros mêlés. Ménette. Pack. Il a... Ouais, ça ira.
C'est toi qui commence. Qu'est-ce qu'on fait? On te défonce. Avec de la chance, on te one shot. Bah vite fait, vite fait. On l'a quand même tué avec le dot, ça va. Alors, archer. T'inquiète, on va te balancer un ours à la gorge. Tu risques pas de tirer de flèche. Bon bah voilà. Fou la vache. Elle, à la limite, il faudrait lui mettre un bouclier de revers, là, de Alazar, pour qu'elle contre. Quoi? Non. Non, parce qu'on l'utilise pour, des fois, kidnapper des gens, donc... si jamais ça se passe mal, et qu'elle... enfin, si jamais ça se déclenche et qu'elle tue les gens, ça va me faire chier. Faut que j'aille crafter des fossiles. Très bien. Allez, vas-y, bonne chance. J'aimerais bien envoyer lui... Ah oui, non, il va le tuer. Il est en critique. Ah bah oui. Très bien. Si je me mets comme ça. Hop, et là je tue les deux. Peut-être pas. Ouais, non, mais elle a été nerf cette épée. Par contre, je suis quand même vraiment dégoûté que. Ils ont mal codé certaines choses. Hein. Genre le fait que, par exemple, on augmente la distance pour repousser avec l'épée. Mais les gens vont pas se prendre des dégâts. Parce que là, elle a été stoppée, elle. Hein. Elle a été stoppée. Là, ça fait pas 4 mètres, hein, je crois. Ou 5, je sais plus. De combien elle peut repousser. Mais je suis sûr que. On n'y était pas. Hein. Mais faut que ça soit 2 mètres pour faire des dégâts. Il y a quelques trucs comme ça qui pourraient être vraiment top. Enfin, en tout cas, après, il faudrait que je compte bien les mettre. Au final. Pour être complètement sûr de ce que j'avance. Bien. Ouh, j'en connais un qui va souffrir. Voilà.
Enfin, une. Pas mal. Sympa. J'aime bien égorgeur, ça c'est marrant. Il faut absolument que je mette égorgeur sur je mette l'ordre tactique à chaque fois que je veux faire de l'égorgement. Mais c'est tellement relou à placer le tactique. Pour être franc. C'est tellement chiant. Ouais. J'avais pas envie de faire le reste parce que là par contre le celui-là que j'ai empoisonné, il était proche de notre berserker. Et je lui ai déclenché fureur parce que j'ai tapé plusieurs fois dessus. Libérateur providentiel. J'ai débloqué fureur. Parce que j'ai tapé plusieurs fois en un round là, en un tour. Donc je me suis dit, s'il va sur notre berserker, il peut potentiellement le one-shot. Donc je savais plus s'il avait déjà joué ou pas. Donc je préfère partir. Après je crois qu'il avait encore déviation à notre berserker. Donc en théorie il peut pas se faire one shot. Au lieu de prendre 100% des dégâts, il prend plus 30%. Ça devrait aller. Je vais y arriver. Hein. Ouf. Connaissance. Corne de Tull. Cette corne ressemble étrangement à celle d'un bouc, mais c'est sans doute la magie des Tulls qui rend les coups de son porteur plus puissants. Dégâts plus 10%, mouvement moins 1. Okay. Là, c'est quoi? Armoire de la fraternité. Il est niveau 10. Armure lourde. Elle est jolie. Pas d'étoiles, pas de placement, de renfort, mais ouais. C'est une bonne armure. Alors, il y a un message sur le corps. N'approchez pas du magnifique, c'est le territoire des Freux. Je ne veux pas de problème avec eux. Le prochain que je vois traîner là-bas, je lui coupe les bourses. Et ben voilà. Le magnifique. Ah, donc du coup, c'est avec ça que qui vous donne l'indice. Maintenant, je comprends. Moi, j'avais pas compris ça quand je vais jouer en early. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore découvert le bateau. C'est le magnifique, c'est ça. Et ouais, c'est ça le magnifique. Et vous vous rappelez qu'il y avait un marchand sur le bateau? Et dans la... si on l'a là. Non, ils nous le disent pas. Est-ce qu'on a le papier peut-être sur nous? Non, pas vraiment. Ah si si si. Contact pour, le contact des Freux se déguise en marchand pour révéler sa vraie nature. Vendez-lui un brouet d'anguille. Tiens, on va prendre ça. Donc vendez-lui un brouet d'anguille. Et là, ils nous disent que... le magnifique est le territoire des Freux. Donc du coup, ça veut dire que le marchand sur le magnifique, c'est lui. C'est lui qu'il faut voir. C'est à lui qu'il faut vendre le brouet. C'est vrai que j'ai... Après, c'est honnêtement...
Je comprends bien parce que je l'ai déjà fait, mais j'avais pas mis un piton ici. J'ai envie de dire que je comprends parce que je l'ai fait déjà. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Mais voilà quoi. Quand on connaît pas sur le coup. Ah putain, c'est une caravane. Ah putain, je suis. Viens ici. Viens ici, la caravane. Tu brilles, viens ici. C'est de plus en plus rare ces trucs, j'ai l'impression. Stand back, peasants. Et toi, j'ai déjà tout acheté. C'est quoi ça? Pourquoi Dalazar? Pour point. J'ai dit pourquoi? Pourquoi? Oh! Moustique aussi. Moustique aussi, c'est bien parce que ça. C'est bien pour des. Bien sûr, des huiles et tout. Mais c'est tellement loin si on veut aller en prendre. Retourner à Arag et tout, c'est relou. Ah, j'avais dit qu'on arrêterait. Attendez, on va mettre un piton et on va s'arrêter. Piton. Enfin, on va faire le dernier combat et on s'arrête. Vous êtes parti dans la forêt? Merde! Ah oui, mais j'étais pas allé là du coup. Parce que je suis allé directement creuser en fait. Pas grand chose ici. Ah! Non, pas. Non, rien du tout. Rien d'intéressant. Ils sont où ces cons? Bah voilà. Des niveaux 10 de l'œil. Je suis quand même tenté encore hein, d'essayer de trouver un meilleur adorateur. Mais... les fanatiques, ils ont rien. Je voudrais bien tester leur épée. Alors, adorateur. Adorateur niveau 10. Fanatique. Purgateur. Adorateur. Putain, vous êtes tous en ligne. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes trop ouf. Mal placé. J'aime pas du tout notre placement. Ouais, j'aime pas du tout notre placement, mais bon, on va faire avec. Tu vas mourir. Fanatique. On va prendre Duan. Ils font mal. Très bien.
Va falloir qu'on... Enfin, comment on va lui détruire la... Siléa. Je voudrais bien... Après, c'est pas... On va dire que c'est pas urgent, urgent, mais... Je dirais pas non pour avoir des autres adorateurs, voir si jamais on peut avoir un truc un peu mieux. Alors, messager. Siléa, fais voir un peu si tu peux. Genre un coup de bouclier critique. Ou ça critique. Ouais, c'est pas mal. Bien. Je commence à l'utiliser de plus en plus, elle, parce que je la trouve vraiment fun en fait. Le fait qu'elle puisse taper plusieurs fois comme ça, c'est marrant. On a des années. Non, les ours ils sont de l'autre côté. Ça me fait rire le temps qui glisse, super long. Putain les dégâts. J'aurais dû regarder qui jouait, j'ai pas regardé. Eh ben putain. Ça serait con que ça se passe mal. C'est bon, t'as fini de taper mon ours? Bon, on va essayer de pas faire le con parce que... Là, on s'est un peu foutu dans la merde. Je me suis un peu trop amusé, en fait. Attends, je peux... Voilà. Comme ça, lui, on le tank, en fait. À côté.
Putain, qu'est-ce que t'as pris cher, la vache. Parce qu'il a tapé autant de fois qu'on a de buff, c'est ça? Non, c'est pas ça. Attaque à nouveau jusqu'à appliquer fièvre. Chaque attaque augmente les chances d'appliquer 20%. D'accord. En fait, non, t'as juste attaqué dans le dos. Oui, non, c'est juste les dégâts qui sont super augmentés parce que j'ai pas tué le chef. Voilà. C'est ma faute. J'ai pas tué lui, en fait. Faut tuer le sournois pour qu'ils arrêtent d'être buffés comme des porcs, là. Tout bête, hein, faut juste tuer le chef. Et ils arrêteront d'être buffés comme des porcs. Mais bon, je l'ai pas fait. Du coup, c'est la merde. Ah putain, il n'y a pas assez de déplacement. Alors, toi, t'es le purgateur. Là, on a le zélote. Ouf, 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 ouf. Ça fait mal. Ok. C'est le sournois qui joue. Reste le mec. Je suis en train de tuer tout le monde, non? Il n'y a pas de... Nickel. Oh, il va faire mal, Winnie. Il va faire mal. Enfin, en tout cas, j'espère. Ouais, pas mal. Voilà, on aurait dû faire ça dès le début. Non, on va tuer tout. On aurait eu moins mal. Alors, j'avais dit que on a qui à sauver. Non, à attraper. Ah mais non, mais j'ai tué tout le monde en fait. J'ai même pas fait attention. Je sais pas. J'ai dû machinalement tuer tout le monde en fait. Pas grave, ça arrive. Putain, je suis surpris. Putain, j'ai fait... J'étais tellement surpris du fait que Duan, il s'est pris une trempe que... J'ai juste tué tout le monde. Genre, juste pour être certain, quoi. Complètement zappé qu'on essayait de capturer un des pas des abominations. J'ai envie de dire abomination à chaque fois. C'est adorateur. Je sais pas pourquoi j'ai abomination dans la tête. Je sais même pas de quel jeu ça vient, abomination. Ah bah si, Darkest Dungeon, je crois. C'est ceux qui se transforment en monstres, là. J'aime pas la classe, en plus. Alors... Voilà. C'est fait. On a massacré tout le monde. Ah ! Bien, bien, bien. Tu m'étonnes, fais voir ce que t'as pris. Dégâts subis doublés, tu m'étonnes.
Par contre, je veux juste regarder. On va devoir s'arrêter là de toute façon. Juste le bouclier, je crois qu'on a. Ah putain. Je crois qu'elle a mieux. Il est niveau 9 avec une étoile, lui il est quoi? Il est niveau 10 sans étoile. Ah bah il est mieux. Ouais. Ouais, ça fait juste un peu plus d'armure encore. Bon bah tant mieux. J'aime bien le fait que genre le 66 de force est hallucinant. Genre à 27 elle fait 8-11. Genre tu lui mets ça, ça passe à 32-42. C'est abusé. C'est abusé. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on a des choses à détruire? Ouais. Ça nous fera des matériaux bruts. Le bouclier on le garde comme j'ai dit. L'armoire de fraternité ça m'intéresse pas. Ça aussi. Ça non plus. Le bouclier on le garde. Ça aussi. L'épée je sais pas trop. Ouais le bouclier on le garde. 70 et 20 c'est vachement bien. Ou flamboyant, ouais ça aussi on garde. Seulement 8. Faut qu'on en achète ou quoi? On a gagné. Non j'ai rien dit. Par contre il y a l'objet là de Tull là ou je sais pas quoi là. Tusk, Tull. Des Tull, la corne. Dégâts de 10 avec mouvement en moins. Qui c'est qui pourrait bénéficier d'un dégât 10? À part tout le monde. C'est compliqué de mettre un dégât à 10% à quelqu'un en fait. Toi t'as 50%. Honnêtement je vois pas qui pourrait bénéficier de ça. Laura peut-être. J'en sais rien. Honnêtement j'ai pas vraiment envie de l'utiliser. Mouvement plus 1 c'est chiant honnêtement. Puis tout le monde a des dégâts critiques vu qu'on a du critique abusé la plupart du temps. Merde. Du critique abusé. Donc ouais. Non on va rester comme ça. On va s'arrêter là. Bah c'était cool, on a bien avancé. J'ai eu un peu peur là sur pour Duhan, mais ça va, on l'a sauvé. On continuera la prochaine fois. On continuera à explorer les. Bah tiens, on ira vendre en fait le truc d'anguille là, le brouet. Au vendeur, on fera ça. On a aussi le temple à faire qu'on fera sûrement. On regardera déjà, on reviendra. Récupérer notre argent et on verra si on a une mission pour le temple. On a aussi la chasse, que c'est vrai que j'ai pas lu la chasse. La chasse de la meute, hein, je sais même pas où elle est. Le Grimmir. Le compte rendu évoque un cadavre trouvé sur une plage au sud-ouest de la région. Les rumeurs parlent de la meute fantôme. Il faudra attendre la nuit avant de la poursuivre. La plage du sud-ouest? Sud-ouest. Ah, je crois que c'est ça. Ça doit être là. Par là. Ouais, ça doit être par là. Bon, bah, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Je suis content. Notre équipe est vraiment cool. Notre équipe est super cool. Je suis content aussi qu'on l'ait eu maintenant. Bénévo à la franchise, c'est très bien. Puis elle est très haut niveau. Et au final, c'est un bon tank. Étrangement c'est un bon tank mais c'est surtout parce qu'elle est niveau 11 du coup on peut lui mettre de l'équipement vraiment haut niveau, extrêmement puissant. Je pourrais limite mettre des huiles hein, sur son arme tellement qu'elle est bonne en fait. J'aime beaucoup nos persos, nos deux
nous, ces deux-là, là, honnêtement. Lui, il est cool avec le berserk. Lui, j'imagine qu'en fait, en berserk, il va être monstrueux. Parce que si déjà là, on est à 120 et quelques. 120, 150. Genre, je mets ça, on passe directement à 136, 170. C'est complètement abusé. Mais j'ose même pas imaginer quand on aura une arme de niveau 11, en fait. Ça va être abusé. Enfin, qui demande le niveau 11, donc une arme de niveau 12, je crois. Ouais. J'ose même pas imaginer quand on aura une arme de niveau 12. Peut-être que lui, il va prendre une arme légendaire aussi, à la limite. Parce que j'ai envie que Phylact, il reste avec ça. Parce qu'honnêtement, l'appui de dague, c'est vachement bien. Donc j'ai envie qu'il reste avec ça. Donc peut-être que lui, il va se taper une arme légendaire, en fait, la prochaine qu'on trouve, la dague. Elle est super fun à jouer avec l'attaque surprise. Vu qu'elle tape tout le temps deux fois, c'est super fun. Elle a rien de très très spécial, en fait. Ce qui est sympa, c'est que ça, on a un autre archer, quoi, en fait. C'est tout simplement. J'aime bien les archers. Voilà. C'est à peu près tout, quoi. C'est juste que j'aime bien les archers. Et bon, après, l'œil de lynx, c'est aussi ultra utile, par contre. Faut avouer que c'est ultra utile, l'œil de lynx. On dirait pas, mais... dès le début, quand on peut faire un critique sur quelqu'un et ça le one-shot... enfin, voilà, quoi. C'est... voilà. Ça a pas de prix. Ça a pas de prix d'enlever une personne de... du problème, en fait, dès le début. Mais voilà, continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.